What's up les potes, c'est Super Connard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Call of Duty Ghost. Enfin, on n'est pas encore sur Call of Duty Ghost parce que là je voulais quand même que mon mini-moi vous fasse coucou avant de commencer. Voilà, fais coucou aux abonnés, voilà, c'est bien, voilà. Et maintenant je vais lancer le jeu, donc Call of Duty Ghost, on va faire la petite découverte du jeu en ligne, hein, du multijoueur. On va se faire une petite partie en matière mort par équipe je pense. Juste histoire de voilà faire découvrir le jeu à ceux qui l'ont pas encore. Moi aussi j'ai envie de découvrir le jeu après tout quand même. J'ai envie de jouer, pourquoi pas faire une vidéo. Donc voilà. Oups. Ça fait peur. Mon dieu, ça fait peur Call of Duty. Nouvelle introduction, Call of Duty Ghost. Innovation. Avant tout. Voilà. Donc ça tu jartes, hein, on s'en bat les couilles. Ok, on est au menu, c'est parti, je suis tout excité. Hop, nous vous recommandons d'abord de jouer en escouade. J'en ai strictement rien à branler de ton mode escouade. Cordialement, Super Connard. Waouh, quel menu incroyable les amis, on voit que Call of Duty fait quand même dans l'innovation. Récupération du profil en ligne, ok, pas de soucis, no problem. Call of Duty Ghost, si vous connaissez pas la série, commencez par le mode escouade pour vous entraîner contre l'IA et vous faire la main. Ça on s'en fiche encore. Chercher partie, créer soldat, je peux créer mon soldat. Alors on regarde vite fait les menus les amis. On peut créer son soldat, donc admettons. Ouais, pourquoi. Ah ok d'accord, il jette son arme, voilà. Là, c'est bien un américain ça, mal élevé. Il jette son arme comme ça, voilà, il en a rien à foutre. Bon, vous avez choisi comme équipe de départ pour Heinz. Ouais, mais moi je comprends rien les gars, sérieux. Moi j'ai peur d'appuyer sur oui, voilà, je ne sais plus, voilà. Équipement. Fusil d'assaut. Est-ce que... Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une partie comme ça, hein. On va pas perdre de temps inutilement. En standard et en match à mort par équipe, on est parti, on va découvrir Call of Duty Ghost. J'espère que vous êtes bien prêts et que vous avez le slip propre parce qu'il va falloir s'accrocher à votre chaise. Ça risque d'être quelque chose d'incroyable et de ne jamais vu sur YouTube. D'accord? Une découverte pas comme les autres. Et c'est parti, on commence en match à mort par équipe sur Stormfront. Je ne connais pas cette map, je ne connais pas ce jeu. Mais je m'en fous, je suis un malade. Je vais tout péter. Allez, balance le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, je vous préviens, il n'y aura pas un gameplay de folie, les potes. En plus, la partie vient de commencer. Voilà, cette sensibilité qui me fait sentir lourd. Sensibilité à fond, les potes. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils sont malades. On va mettre 15 juste pour voir. Ouah, c'est bof, mais on va faire avec. On va jouer en 15. D'accord. Si je suis pas content, je m'en fiche. Ah, j'ai... Oh non. Que... Trop de noobitude, c'est impossible. On attend 17 alors. Bon, je vous préviens les mecs, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Call of Duty, je suis désolé. Il y avait des jeux plus intéressants. Alors, où est-ce qu'il se cache, Marguerite? Eh oui, le premier qu'ils font Super Connard sur Call of Duty, c'est... Oh mon dieu. Communication satellite ennemi détectée. Ah mon dieu, j'ai fait un kill. Hop. Bon. Oh mon dieu, je l'ai touché. Ouh. J'arrive pas à tirer, je suis... Je ramasse un gun. Celui-là, il m'a l'air bien stylé comme pistolet. On va voir ce que ça donne tout de suite, les amis. Ok, d'accord, génial. Je suis nul à chier. Bon, cette arme a l'air bien pourrie. On va changer pour ça. On va voir ce que ça donne. Bon, sinon, pour ce Call of Duty, vous pouvez laisser vos avis en commentaire, bien entendu. On pourra débattre sur ce jeu. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de projets. C'est-à-dire que non, je vais pas faire comment dire des vidéos gameplay où j'aurai... Oh mon dieu! Attendez, je me concentre. Désolé les amis, mais... Oh mon dieu! Je suis en position de stress accumulé. Là-bas, je l'ai vu sa petite tête là. Toi, tu t'en vas, tu te dégages, tu m'énerves. Le turn! Non, ça c'est un mur, Super Connard. Oh, regardez! Le jeu est magnifique!
Ouais, ok, d'accord. Donc le mec est allongé comme une petite pucelle. Donc je vous disais, oui, j'ai pas mal de projets. Pourquoi mon arme a changé? Ok, d'accord. J'ai pas mal de projets sur ce jeu au niveau de. Donc voilà, comme vous connaissez mes Best of Any Moments sur GTA V. Des trucs un peu dans le même style où vraiment le but ça sera vraiment de s'éclater sur Call of, faire les cons comme d'habitude. Pas mal de parodies, des trucs de ce genre. Vous verrez, normalement ça devrait être pas mal. Et puis bien entendu, je compte bien faire continuer mes vidéos sur GTA V et bientôt sur PlayStation 4. Voilà. Lui, je vais m'occuper de ce. Regardez-moi ce petit motherfucker. Own it. Je te finis au minigun, moi, je te fiste. Ok, d'accord. Bon, je fais. Ça va, je suis premier de la game. C'est pas un score extraordinaire, bien entendu. Je viens tout juste de. Bon, super. Je viens tout juste d'avoir le jeu. Et puis, ouais, je suis un peu foufou. Je suis un peu tout content. Vous savez, comme un petit enfant qui vient d'avoir son cadeau de Noël. Enfin, bref. Die, motherfucker! C'est toujours excitant, je trouve, d'avoir un nouveau Call of Duty parce que. On a toujours l'impression que ça change complètement. Alors qu'en fait. Oh, mais! Voilà. Oh, assistance, fait chier. Alors qu'en fait, c'est que les armes et les guns. Après, vous pouvez voir graphiquement. Ce n'est pas une révolution, hein, c'est Call of Duty. Je pense que Call of Duty est. Je veux dire, ce mot est un peu incompatible avec le mot. Innovation révolutionnaire, mais ça reste pour autant un jeu auquel j'aime jouer. Hein, je ne dis pas, c'est un jeu, c'est un bon défouloir. Voilà, un bon défouloir. Et je compte bien me défouler à vous niquer. Oh le turbo, oui, mesdames et messieurs, en direct live sur YouTube. Super connard qui fait un turn avec une arme dont je ne connais même pas le nom. Je ramasse ton arme, petit pédobire, et je vais te fister. Et ouais, voilà, ça joue à la flash, ça. C'est, moi, je trouve que c'est quand même des petits enculés, hein, parce que je viens d'avoir le jeu. Je ne sais pas jouer, et commence à me fister avec leur flashbang. Ça, c'est quoi comme grenade? Alors, regardez, mes amis. Oh, j'ai eu peur. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, ce petit motherfucker. Eh oui, tu campes, mon ami. Moi, je m'occupe de toi. Oh là, le chien. Alors, le chien, je pense que ça va être un truc... Putain de cheaté. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, ça va. Comme première game, hein, n'oubliez pas, les amis, c'est ma toute première partie. Ça fait des mois que je n'ai pas joué à Call of Duty. Je pense qu'il y a pire, hein, vraiment, pour le coup. Ou si vous voulez, je ferme ma gueule et je me mets en mode concentration totale. Mais je pense que ça sera pas intéressant. Je m'appelle pas Monsieur V12. Oh, je rigole, c'est une petite blague. Non, dites-le pas, monsieur V2, je viens me taper. S'il vous plaît, merci. Voilà. Là, je l'ai vu, ce petit. Mais depuis tout à l'heure, j'ai des drones. En fait, ça tombe, mais je l'ai. Enlève ça! Enlève ce drone, je le veux. Non, mais voilà! C'est ce petit enculé avec son drone de. C'est quoi cet ovni là? C'est quoi ce cube? C'est quoi ça? Et j'ai un satellite maintenant? Je ne comprends rien. Voilà. Il suffit que Call of Duty change un simple truc pour que je sois complètement déboussolé. Regardez, je vais utiliser. On appellera ça le super connard shot si je le mets. Ok, d'accord, c'est un fail total. Ouais, mais non, les gars, arrêtez de camper, s'il vous plaît. Je fais une vidéo, s'il vous plaît. Pour mes petits abonnés chéris. On est en train de perdre. Super connard shot, attention. Super connard shot. Eh oui. Fate marker sur le super connard shot, eh oui. Je pense que ça va être un peu un incontournable. Alors voilà, le clébard qui prend un chargeur mais qui ne mourra pas. Je pense que c'est officiellement le chien de. Voilà, voilà, j'allais continuer à faire une série tout ça. Mais le chien de Chuck Norris est plus fort que moi, il faut le savoir. Le chien de Chuck Norris ne meurt pas. Ah oui, donc je voulais vous montrer. Parce que j'ai vu ça dans les vidéos, regardez, attention. Attention, hein. C'est une révolution chez Call of Duty, préparez-vous. Attendez, je fais quelques. Regardez. Ah merde, j'ai voulu le faire. Regardez, attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, révolu. Merde, je crois que j'ai fail. Attendez, il y a un mec là. Je vais me le faire. Donc je vais recommencer. Voilà, révolution. Oh, glissade. Oh, snow ride. Yeah, bitch. Oh merde. J'aurais tué, ça aurait été bien stylé. Hey, man. What's up, man? Hey. Je fais le ride. Woo. 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 Attention. Eh oui, le kilo ride, man. Voilà, j'aurais pu très bien tuer les trois, mais moi, je suis pas un mec comme ça, moi. Moi, le kill, vous savez,
m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks comme un courte paille. Comme dirait notre ami Tekkenex. Je suis à chier, là j'ai chié, je suis d'accord, hein. Je pourrais vous mentir, c'est vrai. J'ai chié. C'est caca. Il reste 2 minutes les amis dans cette vidéo. Ah bah j'ai rien dit, il reste que dalle, c'est fini. Tout simplement. Voilà, on va rentrer à la maison, c'est terminé. J'espère que cette incroyable vidéo vous aura plu, hein. Bien évidemment j'étais en train de bader sur la killcam. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer ma première game vraiment sur Call of Duty Ghost. Si vous voulez d'autres vidéos, alors surtout, parce que c'est très important, la communauté, moi et les abonnés, vous savez, c'est une histoire d'amour, hein, on va pas se cacher. Donc mettez en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des petites idées, tout ça. Moi je vais quitter ce lobby de merde, voilà. Je suis niveau 3, c'est incroyable. Donc oui, si vous avez des idées, tout ça, n'hésitez pas les amis, dites-le moi. N'oubliez pas, c'était une simple vidéo, hein, aucune prétention, c'était juste pour vous montrer les débuts. C'était une belle partie de merde, voilà. Préparez-vous maintenant pour mes petites vidéos un peu marrantes sur Call of Duty Ghost. On se retrouve très bientôt les amis, n'oubliez pas le pouce vert. Et surtout n'oubliez pas, ayez un sexe plus gros qu'une baguette. C'était Super Connard.